Et bien sûr, Scott Snogg dans le numéro 5. Départ de l'épreuve principale en bon départ, Ryder Cup, on s'y attendait un peu, va lancer la course avec Memphis Mafia côté corde, puis il y a Everest, Hillbrow à l'extérieur, Scott Snogg à Netflix, et Bulsara, fidèle à son habitude, va suivre pour se manifester dans la dernière ligne droite. Ryder Cup s'élance bien en tête de cette épreuve, bien installé d'ailleurs, devant Memphis Mafia. Voilà que Scott Snogg tentera de passer devant Memphis Mafia. Puis il y a Everest qui garde Hillbrow en dehors. Il y a Netflix et finalement Bulsara qui suit de très près. À l'avant donc, Ryder Cup en leader de cette course principale. Scott Snogg toujours à l'extérieur de Memphis Mafia qui garde la corde. Puis il y a Everest, Hillbrow à l'extérieur du gris Everest derrière Netflix, toujours devant Bulsara. Ryder Cup a toujours l'avantage à 600 mètres du poteau. Scott Snogg, très patient, Brandon Lerena, bien retenu. Memphis Mafia également, idéalement placé à la corde. Puis il y a Hillbrow qui déclenche son offensive maintenant, emmène dans son sillage Netflix. À l'entame du dernier virage, Scott Snogg va lancer maintenant son accélération à l'extérieur de Ryder Cup. À l'intérieur, il y a Memphis Mafia. Hillbrow va arriver à l'extérieur. Scott Snogg a l'avantage avec Brandon Lerena. Attention à Hillbrow. Hillbrow à l'extérieur. Scott Snogg. Scott Snogg devant Hillbrow. Ensuite, il y a Netflix. Scott Snogg s'impose devant Hillbrow. Hillbrow, bien revenu. Mais Scott Snogg est bel et bien le meilleur. En dominant Hillbrow, repoussant l'assaut final de Hillbrow qui, encore une fois, s'est montré à la hauteur en compagnie relevée. Oui, mais Scott Snogg, bien monté par Brandon Lerena, il est vraiment... extraordinaire cet après-midi, Brandon Lerena. Regardez, Scott Snogg avec Hillbrow qui va revenir très très fort lui également sous la montre de Robert Cathy. Duel entre Sud-Africain ici, Brandon Lerena et Robert Cathy. Hillbrow à un moment met la tête devant, mais Scott Snogg va revenir. Netflix réalise une belle performance. Bulsara est revenu à l'extérieur courageusement, mais Scott Snogg va s'imposer.